Contentons-nous des faits et rien que des faits. Très bien. J'entre chez ce vieux monsieur très riche et très malhonnête. Mais non, vous pénétrez par effraction chez monsieur Delima. Admettons. Et vous commencez par fracturer le coffre quand il vous surprend. Et là, vous devenez fou. Vous prenez une meuleuse et vous lui sautez dessus à 1h45. D'après la déclaration de la victime, dont la dernière vision est l'horloge 18e de son salon. Deviens fou. C'est là que ça va pas votre raisonnement. Encore une fois, c'est débile. S'il m'avait surpris, j'aurais pas massacré pour autant. Je me serais tiré, c'est tout. Et le suicide? Vous y avez pensé au suicide? Comment ça? Eh ben, il se lève en pleine nuit pour faire pipi. Et il se voit dans le miroir, il se reconnaît pas en ce vieil homme. Je me suis... Et tout d'un coup, il réalise que c'est lui. C'est lui le vieil homme, il réalise que c'est lui. Ah, que le temps est passé, que la vie c'est terrible. Alors il est très déprimé. Et alors, bah, il va pas bien, donc il attrape une meuleuse dans sa caisse à outils. Comme il veut pas voir ça, eh ben, il se mange les yeux. Et après, il se découpe en plein de morceaux. Et comme il voit plus, forcément, c'est très mal fait. Il avait pas de meuleuse. Eh ben, c'est pas grave, il avait pas de meuleuse. Eh ben, c'est pas grave, il le fait avec une scie mécanique. Il a bien une scie mécanique, on a tous des scies chez soi. Moi, des fois, j'en ai plein des scies sur moi. Eh ben, il fait ça à la main. Il est très dépressif, quoi. Il se découpe partout, il se déteste, il se déteste. Il y va, il se coupe, quoi. Comme le rapport de médical. Voilà. C'est pas gagné avec les experts, hein, même très bête. Faut fouiller le passé de cet homme. Il a forcément des antécédents de dépression. Et l'accident. L'accident, le truc tout bête. Et genre? Genre un accident. Voilà, un accident. Personne n'est coupable, c'est un accident. Voilà. Toujours pareil. Il se lève en pleine nuit pour aller faire pipi. Il se lève en pleine nuit pour... Bon, il va aller faire pipi. Attendez. J'y suis. Il se lève en pleine nuit pour faire pipi. Bon, voilà, attends. Bon, il se lève en pleine nuit pour faire pipi. Parce que là, c'est la routine, c'est sa nuit, il est vieux, voilà. Il se lève en pleine nuit donc pour aller faire pipi, j'y viens. Et comme il est vieux et qu'il n'est pas bien réveillé, il se trompe de pièce. Il va dans sa cuisine, qui est super moderne, avec plein d'objets tranchants. Je l'ai vu quand j'étais chez lui. Et comme il a pas fait pipi depuis très longtemps, il a des problèmes les organes, prostate, tout ça. Ça fait 3 semaines qu'il a pas fait pipi, il fait un énorme jet. Il fait un énorme courju. Voilà. Et là, c'est la folie. Les fils électriques qui bougent comme ça, l'attrapent à la cheville. Il panique, il glisse dans son pipi. Et tous les objets tranchants, ils partent en l'air. Tout vole dans tous les sens et tout. Et paf, vous tombe dessus. Comme ça. Voilà. Et pour les yeux, vous allez me dire, oui, mais attention, les yeux. Les yeux. Oui. Voilà. Et ben, c'est très simple, les yeux. C'est très, très simple. Pour les yeux, ben, c'est évident. Et ben, c'est le mixeur qui est dans la cuisine. C'est sa place, le mixeur, dans la cuisine. Et ben, tout d'un coup, avec tous les courges et tout, il commence un petit peu il se sent concerné, quoi. Et il arrive et paf, il tombe dans les yeux. Ça, et bon, ça explique les yeux. Et voilà, tout s'explique. C'est le truc tout bête.